Gros salutations pour tout le monde. Moi, c'est Jean-Aubert Philippe Cassali, nous, depuis la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Jeudi, c'est vendredi 19 avril 2024, mais principal point 4 de l'actualité. Avec le grand point 4 de l'actualité, Israël a attaqué l'Iran malgré les États-Unis et l'autre pays, membre de la communauté internationale, a demandé le garder calme. Sélection membre jury procès ancien président Donald Trump l'a complété vendredi 19 avril là, dans Manhattan, dans New York. Et puis en Haïti, 7 personnes mortes pour Pipiti dans une commune tout près de la capitale de Port-au-Prince, après une armée attaqué deux postes de police côté libérés prisonniers. Dans le moment, le pays a attendu l'installation du conseil présidentiel transition. Cap bien pour choisir un nouveau premier ministre. Effectivement, nous saluons, nous remercions de faire qu'on branche sur nous. Comme d'habitude, nous passons une semaine avec nous. Nous déjà souhaitons vous passer un bon week-end. Nous avons aller dans New York. Côté que sélection jury qui va faire partie pour qui va faire partie procès ou qui va assister procès contre l'ancien président Donald Trump. Et sélection membre jury ça y a complété donc tout membre jury sous place et nous gagnons tout sous place Valérie Saint-Luc qui dit nous déjà Valérie gagnez à bon procès qui t'a de commencer lundi qui a venu là pas vrai bonjour tout à fait bonsoir Jean-Aubert c'est ça et c'est effectivement jeudi à 5e jour que ancien président Donald Trump a marché dans le tribunal et jeudi à processus joindre 12 membres jury y arrivé complété bien que il y a continué avec processus ça puis joindre 6 autres membres qui au même temps là en réserve nous dit mais jeudi à y a arrivé boucler processus là donc juge qui lui-même a mené et jugement justement c'est juge Marken qui dit que déjà lundi la paix attend à ce que yo l'ouvri jugement qui veut dire que ancien président Donald Trump a venu fois ça puis juger devant 12 membres jury ça qui arrivé joindre nous le cas dit tout c'est pas sans difficulté parce que yo fait plusieurs fois yo essayé c'est toute semaine ça yo t'a cherché yo t'a essayé joindre 12 membres jury ça yo et gagnant yo qui était d'abord yo était arrivé sélectionné yo et puis après juste après yo était obligé à l'école et juge lui-même t'a dit que moun ça yo il semble yo pas trop capable continuer dans le processus. Donc, c'est comme ça, ça y est pour aujourd'hui. Et déjà, semaine prochaine, je pense que l'ancien président Donald Trump va venir pour le juger. Mais pendant ce temps, il a quand même fait des déclarations, comme il est habitué à faire. Pendant la rentrée aujourd'hui, dans le tribunal, il fait des déclarations, dit que il n'a pas senti que c'est un bagage qui est trop fer, j'en ai dit en anglais, côté que il a empêché de mettre un babouquet sous lui, côté que le pas capable. Puisque nous connaissons, juge lui-même, juge Merchant, a dit que il a mis un babouquet, il a même mis un amende de $3,000 sous lui, côté que s'il parlait, s'il montait sur les réseaux sociaux pour parler, soit de jury, soit de monde qui est même à travail dans le cas ça, il est capable, eh ben, justement, de mettre un amende ça sous lui. Il dit que ce n'est pas faire, puisque lui-même tout, il a la loi bouche, il a parlé, Jean Tavlé. Donc, c'est ça que je l'ai dit comme déclaration. Mais, Jean-Aubert, c'est quand même, et puisque nous, là, nous sommes sur place, je vais accueillir sur place pour nous suivre jugement historique, ça, contre l'ancien président américain. Il faut nous dire tout, Jean-Aubert, il y a un incident qui passait pas trop loin. Oui, nous avons parlé d'incident, ça, parce qu'en principe, là, nous considérons les conditions de sécurité. Et si, dans le processus pour seulement choisir, sélectionner, même jury, nous, qui avons une sécurité à élevé, et les procès a commencé lui-même et qui j'en fait et monsieur ça lui-même livé mettait du feu sur lui malgré toutes les sécurités qu'il prend et ça fait pratiquement tout près tribunal là. Tout près tribunal là, à quelques mètres de côté moins campé là et derrière dans ce tribunal là donc yo sécurisé périmètre. C'est monsieur Max Azzarello, c'est qu'on s'est relé d'ailleurs quelques minutes de ça et plusieurs chefs de police New York là et NYPD responsable officiel yo t'ai en conférence sur la presse yo expliqué, yo identifié monsieur ça qui est Max Azzarello qui mettait du feu sous tête lui, des images qui difficile pour moun garder, mais c'est ça que lui fait comme peut-être façon pour protester. Yo pas connait si ça gon relation exactement avec ça qui t'a passé en dedans tribunal là parce que c'était dans un moment, justement, côté que juge Merchant lui-même t'a annoncé que y a bouclé le processus puis y a joint 12 membres jury et que semaine prochaine, jugement va commencer. Donc, messieurs officiels, messieurs dames officielles, la police a écrit, a décrit l'incident. Il a dit que monsieur Max Azzarello marchait sur une place pas trop loin du tribunal là, pendant que le rivet est à proximité du tribunal là, juste en face du tribunal là, et bien, il ouvre un sac. Dans ce sac là, il y a des flyers, des pamphlets. Que le voyant l'air, il a gagné à terre, et puis il est allé au bagage, au canette, d'après ça, j'ai eu décrit là, il vidait le soulier, et apparemment c'était une solution flammable, qui veut dire qu'il a pris du feu, et puis il lui met du feu, mettait sous soulier, il enflammait tête.
Il va mourir, nous allons pas dire s'il mourir ou bien s'il. Il est en condition très critique dans ce moment-là, dans l'hôpital Cornell. Il est rapidement mené à l'aller, mais il est vivant. Mais vraiment, il a été traité pour des brûlures au troisième degré. On peut comprendre que c'est quand même un incident qui, justement, le appareil de sécurité tout à l'heure là, eh bien, immédiatement obligé d'évacuer, reconsidérer sécurité dans le périmètre. Nous avons agents et un secret service, nous capable dit agent civil qui a marché, hélicoptère qui a sillonné dans le ciel là, et puis sécurité a été recommencé, puis serré dans la zone tribunal là. Jean-Aubert. Alors, Valérie, avant d'aller, on nous dit que c'est Donald Trump quand même. Donc, une grosse couverture médiatique, c'est quand même dit international, même qui est présent dans le périmètre et tribunal là. Tout à fait. Et c'est pas trop loin du périmètre tribunal là que justement, sous les yeux des caméras, que M. Max Azarello a fait action, ça que nous sommes décrits là, mettait du feu sous tête lit. Et médias, yo fait quelqu'un dans la zone, c'est ça qui fait que sécurité, justement, il est très serré, il est resserré le même. Mais au niveau média, c'est tout partout, barricade tout partout, aux alentours du périmètre tribunal là, parce que c'est quand même, Jean-Robert, au cas comprendre, un jugement historique, c'est la première fois qu'il a jugé, et non cas criminel encore, il a jugé un ancien président, et il s'agit justement de Donald Trump, Jean-Robert. Merci, Abid Valério. Donc, WAP sous place, donc nous mettons déjà pour mettre et spectateurs lundi, WAP sous place, et WAP pour nous les derniers moments de commencement pour ça, et qui j'en sais. Tout à fait. Passez un bon week-end, Valério. On a prêté branché sous, on a pour aller dans l'actualité à ce plan international. Nous pour aller en Israël. Nouvelle concernant Israël avec Iran. Eh bien, et l'armée israélienne, ben, a lancé quelques coups de mortier sous Iran. Dans une ville, côté qui a une installation nucléaire. Iranien, mais médias iraniens ont rapporté, eh bien, autorité prend des dispositions côté que, ils ont augmenté le système et défenseur, justement, pour y contrecarrer attaque Israël à plan. C'est sûr, et déjà fait qu'on ait système ça, l'y mettait à terre ou bien encore l'y détruit au moins 3 drones que Israël a lancé dans le cadre d'attaque, ça a été lancé et sorti dans la nuit de jeudi pour vendredi. Jacqueline Bélizer. Malgré mise en garde Washington, Israël menait une attaque calibrée contre Iran jeudi vendredi à réaction modérée terrain d'après plusieurs médias, surtout aux États-Unis. Agence nouvelle iranienne dit 3 explosions pas fait dégâts et toute bagaille semblait en forme, même gen moun qui fait rassemblement dans jour congé ça dans côté explosion au rivière. Pendant toute semaine là, Israël t'a fait connait l'a fait Iran payer pour attaque qui t'a fait week-end passé à sous territoire état hébreu. Nouveau développement ça pour ces analyses quoi capable de gagner une escalade de violence dans la région Moyen-Orient. La voix de l'Amérique est entrée en contact rapide avec porte-parole l'armée Israël là, l'élite joint nouvelle là, mais li pat veut faire commentaire dans moment ça. Ministre Affaires étrangères italien Antonio Tajani qui a recevoir sommet G7 ministre Affaires étrangères dans Capri en Italie dit Israël t'est informé États-Unis dans dernière minute. Les États-Unis. Israël t'a informé États-Unis dans dernier moment avant attaque là, mais États-Unis pas de participer là-dedans. Ministre Affaires étrangères italien pas de bail plus détail. Pendant un point de presse toujours dans cadre sommet G7 là dans Capri, secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'a dérefusé répondre question sous explosion yo en Iran que yo présenté comme un acte représailles Israël. Li affirmé États-Unis pas impliqué dans aucune opération offensive. The United States has not been involved. Moi pas faire commentaire sur événement qui sorti dans média. États-Unis pas participer dans aucune opération offensive. Ça me dit nous c'est que n'a concentré nous sur ça G7 là a concentré n'a pour ça dans déclaration nous. C'est job nous pour nous désamorcer tension yo. Vraiment vrai gagner une tension qui a monté 17 hôtels depuis attaque Iran sur Israël semaine passée à. Et communauté internationale là gagne la pérèse pour violence là pas escalader dans région Moyen-Orient. Et c'est comme ça que communauté internationale a lancé un appel pour mander belligérants ou mettre de l'eau dans du vin après offensive qui semblait attaque représailles Israël contre Iran dans une ambiance qui déjà surchauffé dans région Moyen-Orient depuis guerre Israël Hamas là qui l'a depuis 6 mois et qui déjà fait plus passer 34 000 morts dans Gaza d'après dernier rapport ministère santé palestinien que Hamas a dirigé. Cependant, il y a un spécialiste qui fait comprendre que deux parties mesurent attaque. Offensive Iran, par exemple, semaine dernière, t'es visé une plateforme, une base aérienne qui l'a pour lancer missiles, pendant que Israël lui-même fait attention pour ne pas toucher position nucléaire important Iran dans une base militaire dans Kajava restant dans la province
Isparan. Là aussi, bon côté pas demandé pays dans zone pour y rester loin conflit Israël-Hamas, Iran, pour éviter vraiment vrai que violence pas escalader dans région Moyen-Orient. Jacqueline Bélisère, VOA Creole. Merci Jacqueline Bélisère, n'a pas retourné ici aux États-Unis pour aller dans New York côté États-Unis veto yon demande et autorité palestinienne était fait pour être vinn membre permanent organisation internationale là. Nous va jeune Marie Pierre pour plus de détails. The result of the vote is as follows. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. D'après opinion États-Unis, chemin qui pire rapide dans direction pour Palestine d'avoir tourné yo état, c'est à travers négociation directe entre Israël et autorité palestinienne avec support États-Unis à Claude Patneo, d'après ambassadeur adjoint Nations Unies Robert Wood. L'été exprimait tout inquiétude li concernant question qui pas qu'on résoudre pour connaître si oui ou non Palestiniens ont satisfait critères qui nécessaire pour être considéré comme un État. The United States continues to strongly support a two-state solution. Nous demandons autorités palestiniennes depuis longtemps pour entreprendre réforme qui nécessaire pour aider établir sa ou doit gagner dans préparation pour venir tourner un État et puis songer que Hamas, une organisation terroriste, connue à exercer pouvoir avec influence dans Gaza, une partie intégrale dans l'État que ont envisagé dans résolution ça. 12 parmi 15 membres conseil ont voté en faveur de l'idée alors que Grande-Bretagne et la Suisse étaient abstenus. Marie-Luce Pierre, VOA Creole. Nous parlons d'un pays d'Haïti, côté Negame, mené deux opérations dans sous deux commissariats dans un quartier ou bien une ville qui est tout près capitale à Port-au-Prince. Mathieu Deville, mais pour plus de détails. Sept moun mouri ak plusieurs lot sorti blessé nan yon attaque groupe civil armé fait nan commune Kafou, localité Rouané 93, hier jeudi 18 avril 2024 là. Dans même journée, bandi yo rentré dans commissariat commune là, yo relé tout Omega, yo pillé et puis libéré quelques détenus qui étaient fermés dans garde à vue commissariat ça. Simdoué quoi déclaration porte-parole syndicat national policier haïtien yo, Lionel Lazare. Nouvelle yo fait connaître ces groupes civils armés qui gen en tête li Chris là, même vivent ensemble qui commettent zaksi là. Et pour jeudi vendredi, activité ont fonctionné timidement. Pas de aucune école qui l'ouvre dans commune là. Banque ak commerce rete ak porte fermé. Moun pa remarqué tout présence la police dans l'arrière à tout. Et pour ça qui vient pour avec mise en place conseil présidentiel transition, quelques citoyens dit yo pa ouais intérêt dans des marchés là. Pas de conseil qui a vrai rien là, rien. Tout monde se tient yo y a défendre. Moi même conseil sept têtes ça son problème. Parce que moi de qu'il y a monde ça, on contrôle. Conseil a pas le gagner. Même qui dit qu'il y a une installation conseil là, il y a une position contraire sous directant l'État supposé prendre pour commencer un changement dans la société. Nous, les militaires de Chelmasio, là, je parle de nous. Depuis le conseil, ça a fini d'installer. Depuis 10 jours, nous avons 15 jours. 15 jours, pressé pour force internationale à l'entrée. Si nous ne pouvons pas faire force internationale à l'entrée, pressé, nous, même militaires conséquents, nous allons nous faire frapper pieds nous à terre, même bataille nous devons faire, nous allons tourner le bataille encore parce que nous connaissons qui ça l'extérieur de ce pays. Pendant, responsable Front National Organisation pour yon Haïti qui est stable avec démocratique FONOD, ak comité interne 100% diaspora Haïti, dit à continuer à camper loin conseil présidentiel transition. Responsable strict ici là, a annoncé des journées manifestation contre installation, même conseil là. Ça, nous-mêmes, nous comptons ça qui est bon pour nous et ça qui est bon pour nous, il va l'autre, c'est qui finit. Mardi 23, mercredi 24 avril, nous n'avons aucune chaîne de mobilisation pour continuer à dire non à projet CARICOM, pour nous dire non à conseil CARICOM, pour nous dire conseil CARICOM, CREI, il n'est pas bienvenu. Et il n'est pas bienvenu parce qu'il n'a pas de légitimité, il n'a pas de rien de légalité et il n'a pas de rien comme représentativité. Toutefois, nous constatons un combat de nettoyage, voirie, mairie pour au printemps depuis hier jeudi 18 avril là, dans le périmètre palais national. Alors que coup de balle continue à chanter dans la zone là. Un militant politique sorti blessé après le recevoir, une balle perdue sous champ de masse là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Deville pour VOA Creole. Toujours dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, un compte déroulé entre représentants conseil présidentiel de transition hein, avec gouvernement intérimaire justement pour planifier dans ça qui semblait installation et conseil présidentiel là. Nous pourrons joindre pour question ça Yves Manuel pour plus de détails. Même conseil présidentiel transition hein, organisé jeudi 18 avril 2024 là dans villa d'accueil, première réunion travail
en présence Premier ministre haïtien Michel Patrick Boisvert et directeur général police nationale d'Haïtien France LB. Dans la discussion, restauration sécurité nationale là à planification installation même conseiller présidentiel yo. Un conseiller présidentiel qui t'a participé dans rencontre là souligné les importants pour rétablir sécurité notamment pour même conseil là et pour assurer un environnement calme pendant prise fonction yo dans palais national pendant que aucune date pour qu'on fixé pour installation gagnon représentant dans conseil présidentiel là qui fait qu'on est ça t'abri concrétisé des semaines prochaines. Une rencontre entre commission passation pouvoir gouvernement et même conseil présidentiel la prévoit dans l'idée pour préparer transition et évaluer situation sécurité pays. Police nationale d'Haïti à travers directeur général là bail garantie toute disposition prend pour capable faciliter bon déroulement événement. Rencontre ça qui marquait également première interaction officielle entre Premier ministre haïtien Michel Patrick Boisvert et directeur général police nationale d'Haïti déroulé dans une atmosphère cordialité selon déclaration yon conseiller présidentiel. Haïti a fait face à une crise profonde depuis plus passé yon mois avec yon capital qui quasiment isolé, l'école fermée, commissariat incendié avec l'hôpital qui dysfonctionnel. Dans contexte ça, urgence pour trouver solution à problème ça yo, c'est une obligation. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Communauté haïtienne en Miami avec dans Fort Lauderdale divisé sous conseil de transition ça. Nous parlons de Luxon Saint-Ville pour plus de détails. Majorité moun nous parler à qui ont montré pas trop important ça conseil présidentiel transition. En pile là-dedans yo penché sous bord Guy Philippe ancien sénateur élu grand dans cela. Yo estimé qu'il gagnait plus capacité pour répondre à défi Haïti à faire face là spécialement dans le domaine de sécurité. Yon dernière catégorie d'ici pays à table plus proche constitution, hein? Yon ta préféré plutôt choix coup cassation. Moi même capable dit bien, nan sans hypocrite par là-dedans. M'pa besoin qu'on ait Jean JPP, Jean sorti, même Jean sorti, moi même yon mette coupé tête mon côté m'a parlé à moi même quoi dans Guy Philippe. C'est le conseil CARICOM sous côté et puis Guy Philippe pour nous pousser pour le river vers l'avant. Pourquoi ils sont pensés Guy Philippe? Parce que. S'il prêt pour le bataille, pour payer les doux, la mort, la vie, yo met tuyel, c'est pour payer les vignes, la défendre en bagaille, ça c'est sans manque. Sans Guy Philippe, pas Haïti, non? Quand l'on a dit ça qui marie tête ensemble, non? Si j'étais comprendre, ça y a fait, j'étais pensé avec femme, yo demain, j'étais pensé à tête, yo, avec madame, yo, petit, yo, et pas d'avis jamais aller. Dans condition ça. Le ramasse, c'est tout le monde, groupe, n'est-ce pas, yo? Tu restes qui était à vine, prendre. C'est celle qui Philippe pour moi-même, pas contre pour l'autre monde. Qui t'a qu'à mettre nous sur un rail, mais nous pas personne encore. Ça comprend ça, c'est Guy Philippe. Parce que moi Guy Philippe gon conviction, son monde qui voulait voler pays, qui voulait mener pays mon côté. Problème gain à conseil là parce qu'il pas révélé, il pas reflété et maman loi pays nous. Parce que dans maman loi pays nous mais que ce soit constitution amendée ou pas, les pas prévoit à ce que nous gagnions 9 mouns. Mais, Koulia, s'il était sorti dans cassation, ça peut être, il a reflété quelque chose parce que cassation fait partie de pouvoir nous, de 4 pouvoirs. Même si opinion est différente, haïtien ça a demandé pour tout acteur politique qui mette tête ensemble, dans l'idée pour capable joindre une solution. Cap permettre Haïti sortir dans situation difficile les trouver le jour et jeudi. Depuis Miami l'état Floride, Luxon Saint-Ville pour VOA Créole. Et puis toujours en Haïti, une coalition syndicat transport en commun, les forces syndicales pour sauver Haïti et bien demandé pour au moins suggérer pour chaque en conseil là ta contrôler au ministère dans pays a nous pas jeune dans ce qui sont ça ouais dans tout dans moment même conseil présidentiel yo commencé chita parler avec équipe gouvernementale démissionnée Ariel Henry avec DG PNH France LB sous question qui gain rapport à rétablissement sécurité qui doit aboutir à installation collège présidentiel là yon dirigeant organisation syndicale Jacques Anderson Desroches qui se porte parole force syndicale
pour sauver Haïti, faut ça, exhorter nouvelle équipe ça, pour qu'un bé yon portefeuille ministériel, cap permettre yon aborder puis bien problèmes sociopolitiques, ak économique yo nan pays d'Haïti. Ça fondamental, c'est que si monsieur ça arrive dans le conseil là, il va prendre une responsabilité que contrôle les décisions qu'a pris à travers le gouvernement, à travers le premier ministre, mais il y a un problème de passif. Je dis, il faut responsabiliser plus qu'avant. Si nous arrivons même au conseil là, il faut faire un ministériel, donc au moins la bonne job pour le faire. La bonne job pour le faire. On a la bonne pour la sécurité, si le ministre s'en va pas résoudre, on a connaissé lui critique la soudol. Si le ministre planification ne va pas résoudre lui-même, le ministre. Justice, c'est le résultat, c'est lui-même. Mais je dis, le conseil n'a pas choisi le ministre. C'est-à-dire, le conseil n'a pas l'outil, nous. J'ai la constitution du président Mine. Le conseil n'a pas à distance. L'aigle est cher qui a changé, nous. Je dis, à son occasion, un an pays à jeune. Tout acteur, par exemple, je me mettais ensemble, décide de mourir avec un seul doux. Jacques Anderson de Roche, quoi, c'est une opportunité en or, pays d'Haïti gagné, à conseil présidentiel transition. Ça le début, sur tout échec, la patate. Partager. Je vais partager. Mais si on réussit, il y a une classe politique qui a réussi. Je dis à Horizon Divin, qui nous dit Montana, ou dit Petit Dessaline, ou dit Famille Lavalas, ou dit Accord 21 décembre, ou dit Société civile, ou dit secteur privé. Ça veut dire pays, mais tout compartiment, là, ça a fait là. Donc, mais là, nous, alors, pour le cassation, oui, il y a une solution, oui. Et certainement, on tire à se rapprocher de la Constitution. Mais nous, la Constitution, pas bien longtemps. Rapprocher de la Constitution. Mais là, c'est la solution participative. Par contre, c'est clair. Son solution participative, tout le monde met là-dedans. C'est un dossier à suivre. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Qui est électeur américain ou citoyen américain qui vivent dans le territoire d'outre-mer États-Unis, dans l'élection présidentielle ou l'élection générale? Nous allons juste dans le meilleur cap pour des explications pour nous. Territoire américain tant que Samoa, Guam, Îles Vierges avec Porto Rico pas capable voter dans élection présidentielle États-Unis dans mois de novembre non. Cependant, yo capable voter dans élection primaire à caucus yo pendant processus nomination candidat yo. So if you live in a US territory such as Puerto Rico, li dit donc si vous habitez dans un territoire américain tant que Porto Rico pour élection générale là dans mois de novembre là ou capable voter pour un monde qui pral un membre congrès qui pas gain droit voter c'est même bagay nous gagner dans district Colombie y aurait les monde ça yo délégué donc yo ka gain siège dans commission yo ka participer dans débat mais yo pas gain une voix en ce qui concerne adoption loi États-Unis. Journaliste Associated Press Stephen Olmacher dit tandis que citoyens qui habitaient dans le territoire ça yo pas qu'à voter dans l'élection présidentielle, candidat yo gen plusieurs raisons qui fait yo vle appui moun sa yo. Well, the parties want to be popular in the territories in large part because if you are a resident of a US territory, you can move to the United States. Les diamètres parti au terrain populaire you know, dans territoire sa yo en large partie parce que si ou c'est un résident dans territoire américain yo ou ka vivre aux États-Unis, ou pas besoin passeport, ou pas besoin visa, ou c'est un citoyen américain et leur ou al vivre aux États-Unis ou qu'à voter. Donc, si vous voulez populaire Porto Rico, c'est parce que il y a un pile monde Porto Rico qui habitait aux États-Unis qui peut voter dans l'élection novembre. Non. Donc, parti vous voulez assurer, il y a une connexion avec monde qui habitait sous territoire. Il y a des parents qui vivent aux États-Unis et il y a même tout, il y a qu'à vivre aux États-Unis. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nouvelle sauvée d'Etio, dans Washington avec Sergio Rodriguez et puis dans Floride, Judo Ansré. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça à Souvé ou à Creole. Côté nous allons parler de Shakira qui prend le temps mais une tournée mondiale qui a commencé aux États-Unis dans fin année ça, en bas titre Las Mujeres No Lloran. Et puis nous allons parler tout de Taylor Swift qui lance un nouveau album jeudi vendredi à même en bas titre Tortured Poet Department. Superstar d'origine colombienne, Shakira a annoncé qu'il pourrait attendre un nouveau tournée mondiale en pendant longtemps. Pendant une apparition sans attendre, il fait un festival de musique Coachella dans la ville Indio et à Californie, ça n'a pas longtemps. Super vedette musique 47 ans, a débarqué tout d'un coup dans le festival là pendant Didier Argentin Bizarre Rap. T'as évolué sous scène Sahara à côté de tous les deux, t'es exécuté nouveau Titioa en parlant de la fuerte. Tournée mondiale Las Mujeres de Jordan Shakira pour attendre ici aux États-Unis dans fin année 2024. Ça.
Nouvelle souvent d'être apprendre que superstar musique américaine Taylor Swift by Fanatic Lio yon gros aucune surprise dans première heure jeudi vendredi 19 avril là, à publication un nouveau CD qui porte le titre The Tortured Poets Department. D'après sa superstar l'a dit sous question album, n'a gen la dani chanté qui gen rapport avec chagrin d'amour pendant une époque qui te représente une période triste dans la ville. C'est 11e album studio li qui gen 16 morceaux sous li et que l'idée de la guerre sous béton à minuit sonnant jeudi vendredi. Mais seulement quelques temps après, il dit qu'il y a un deuxième album qui gagne 15 titres là-dedans lui-même. Taylor Swift écrit sur compte Instagram lui, moi tellement composé musique dans 2 ans passés que je voulais partager avec nous. L'album Poète là est venu 18 mois après publication Midnight. Superstar l'a publié tout, il y a une vidéo pour le premier single lui sur le nouveau album. Côté lui fait une collaboration ou bien un featuring avec Post Malone. En parlant de morceau Fortnite, là. En tout cas, c'est constaté le Swift la parole là dans l'aria, même jeudi vendredi. Et le Swift a fait parler de lui pendant un certain temps, de ce que l'hypothé gros succès dans divers genres musicaux aux États-Unis, un bagage qui permet de libérer l'économie locale, une belle bourrade. Nous devons préciser que Tam Magazine désire Manzé comme personne de l'année pour l'année 2023, à cause d'accomplissement li dans l'industrie musicale, à influence li gagne dans la culture populaire États-Unis, mettez avec démarche pour encourager moi inscrire pour y aller voter. Et qu'on est à un moment arrivé pour nous passer qu'on en bas, juste de rentrer qui va le nos nouvelles sur Echemaïla, dans Miami. Musicien groupe musical New Doré te baille une conférence pour la presse vendredi passé dans Pompano Beach et à Floride pour annoncer premier album yo qui porte nom Perfection. Nous t'ai parlé avec chanteur jazz là, Vladimir Miriska alias Vladenjoy qui a expliqué origine non jazz là avec nouveau sidia. New Doré c'est deux premières notes musique qui c'est do ré. Là dit New Doré qui veut dire que nous c'est deux premières notes musique. So, c'est ça que définition New Doré en gros. Album a 7 musiques. Parce que c'est ça qui fait l'album dans les perfections. Le chiffre 7, c'est la perfection. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Edras Edouard, alias Drasso, qui c'est ancien maestro disciple de Gazman Couleur, ancien bassiste Zinglin, ancien musicien du groupe Équipe de Chaba, annoncé dans Micrové ou à Créole que l'y décidé pour lui retirer l'école dans business musique haïtienne. Pas je compare, je connais les sons d'antigendu, mais son choix que me fait pour ne pas afficher ma aucun jazz. Ok, je ne vais pas afficher ma aucun jazz. Sans pour autant, je vais toujours porter apport, moi, mais retenir le jazz pour me dire, bon, je suis maestro tel jazz ou bien je suis bassiste tel jazz. Non. Je vais un album moi, pour le sortir, c'est un album évangélique pour me remercier Dieu pour la vie que l'album. So, ma sorti premier album moi, évangélique. Pour toute nouvelle sur musique haïtienne dans l'État Floride, non, Pam, c'est Jude Onsré pour VOA Créole, Miami. Merci infiniment. Merci pour tout ça avec Sergio Rodriguez et dans Washington et puis Jude Onsré lui-même dans Miami, dans l'État Floride qui t'a parlé nous de l'activité. Activité. Peut-être pas bien jeudi, c'est vendredi, c'est week-end. Donc comme ça l'a dit. Donc soit qu'on dit qu'on ne peut pas consommer alcool et si on consomme alcool, qu'on ne peut pas conduire parce que nous besoin qu'on soit avec nous encore et semaine prochaine. Donc, je remercie tout le monde qui a porté contribution par eux, d'une façon ou l'autre, de loin ou de près, à réussite. Ce maintenant, d'abord, et puis à l'émission jeudi, que nous nous présentons. Collègue Jacques Bélizier, lui-même, il est pour la Cali. Côté nous saluer le tout, parce que nous avons souhaité le bon week-end. Il y a tout gentil Augustin qui l'autre bois, notre beau vite là. Donc, c'est monsieur qui a aidé nous mettre l'émission ça dans l'air. Et puis, il y a Jean-Marc Abila, qui lui-même a là pour bah, la vie de nous. Jacques et Jeune, nous saluons tout le monde, nous souhaitons passer un bon week-end. Et si je dis assez fait tout, nous souhaitons bonne fête. Pas oublier, rendez-vous toujours pour semaine prochaine, dans la même station ça. Et nous saluons tout affilié qui permet qu'on rejoigne l'émission ça, Vin la Caillou, quel que soit côté. Et puis pas oublier visiter site nous, tout site nous, toute plateforme nous. Merci Jean-Bert Philippe. Fonti dans ses fait mention des nègres
Axam qui regroupe dans vivre ensemble qui gagne dans collimateur prend palais national si pas gagne qui fait yo tenter al faire installation zin KPT dans pays d'Haïti. La police dans ville cap haïtien présenté un jeune garçon qui a mis la patte sous lui, qui dans trafic d'arme avec balle, qui a acheté cartouche pour réseau criminel Kokorak sans race qui dans la pays qui gagne meilleur cap dirigé. À travers arrestation si là, eh bien la police joint en possession toa 1 012 950 gouttes et c'était 2 millions de gouttes qu'elle était moun qui te dû remettre colia te que t'apprend on parti dans cobla dans mail Blaise Peterson. Ensemble information ça avec divers lots pral fait réelle actualité émission parler pour changement dans mi-temps journée pendant nous pas oublier pendant journée qui s'est passé hier vos massacres qui fait dans commune Kafou dans Rouané 93 côté pour pipiti 8 moun perdit la vie selon Lionel Lazare ta gen policier qui perdit la vie tout et Lionel Lazare dans premier élément information qu'il partage avec les personnes te fait quoi te gen des prisonniers qui te incarcéré dans cellule dans Omega que bandio ta libéré faire rentrer la caillou. Situation ça a montré que bagala pas douce du tout en dedans pays a que bagala pas facile du tout en dedans pays a c'est pour ça que nous entendre nous à terre pour pas faire trop temps passer si a installé conseil yo pour installer si a pas installé conseil yo pour yo au moins vous comprendre que situation paraît extrêmement difficile. Il y a divers acteurs qui dit que Guy Philippe c'est un poids dans question bataille là faut au moins yo chercher joindre avec Guy Philippe pour négocier pour conseil la cabine installer si Guy Philippe li d'accord collaborer avec yo pour l'autre Haïti. Mais Jean-Tel Joseph bon côté parle dans déclaration de Blaise Peterson en pile monde cap tendez Jean-Tel Joseph qui dit révolution a marché très bien. Il réitéré, c'était une révolution pacifique que yoté annoncé à faire dans le pays contre un système. Il dit que son système, bataille contre système, n'est pas qu'à faire pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est toute une bataille de longue durée. L'Irali, exemple, Cuba, qui te fait une révolution, qui te fait plus passer 5 à 6 l'année pour te arriver abouti avec bataille avec préparation pour révolution qui a parlé à il dit quel que soit nèg qui décide à chercher manger qui décide à chercher job dans conseil présidentiel li pa konn a fè yo yo ka toujours à chercher job mais yo même yo pa travay position bon côté peuple là c'est révolution adelante ouais pa ouais faut qu'Haïti sorti dans sa lia selon Jean-Tel Joseph. La situation ensemble pour ça pour faire essentiel émission si vous gagnez l'autre point n'a pas yo si pas gagnez l'autre point nous pour passer dans salutation avec un ami internaute qui branché tout partout après ça pour nous commencer avec développement sur le faux, avant que nous allions à Port-au-Prince, pour nous connaître qui j'en l'arrière, qui j'en Port-au-Prince dormi, à qui j'en l'élevé, pour matin, et même dans le temps journée à côté nous y là, est-ce que tout bagaille ok? Est-ce que tout bagaille parfait? Dans le capital là, c'est Kelito qui pral dit nous, avec Claude Naider Antoine qui pral dit nous, qui j'en Port-au-Prince, lié Blaise Peterson. Et ça m'a pas ajouté, et des Yvenes, c'est que, m'a regardé là, il y a une campagne qui commence à faire là sur le réseau, et dans divers médias traditionnels, côté que, qu'on campagne qui a fait pour moun qui, on a dit là, et premier ministre ou bien pressenti mais ministre parce que, quand on a dit sur le réseau, tellement que nous commençons à citer là, moi, il y a deux notes de Kougarikoni, ancien premier ministre, qui c'est premier ministre Matéli, et moi, tout à coup, Rodolphe Joisil, ancien sénateur et ancien, comme si on dit, commandant dans l'armée d'Haïti, et qui est toujours. Mais moi, deux mouns il y a une grosse campagne qui a fait là. Je ne sais pas si vous non. Pendant cet homme d'abtendre et présidente et syndicat personnel, l'hôpital général, qui c'est Evelyne Frémont, qui m'abtendre, tout ce qu'il y a. Il dit, quoi t'as passé là? Depuis 29 février, l'hôpital général, il y a une équipe armée qui prend l'hôpital en otage. OK? Pendant cet temps, c'est pigou l'hôpital pays, que tout le monde d'accord ça. Et c'est l'hôpital côté que c'est pour moun qui plus pas capable à un service la donne. Et c'est l'hôpital général tout, ou a besoin tout service à de croyaux. Et puis je dis, hein, au lieu que nèg yo gade comment yo ka arrive résoudre question de sécurité, hein, y a goumen pour poste. Nèg yo ta fait campagne que intel ka premier ministre et partisan c'est partisan sous réseau mandan enragé, même je te mandan enragé pour que ce conseil présidentiel ça. Je dis à me croire que, pour me dire Evelyne Frémont, ouais, comment le ménage, c'est ce qui s'en a dit, hein? Evelyne Frémont dit, t'as dit bien. L'hypaman de soi-disant moun qui l'a yo, pitié, non? L'hypaman de ne qui gè sam yo pitié. Comment bien?
Li m'a mandé soi-disant qui là comme autorité au pitié, non. Li mandé nèg ki ki sa mi au pitié. Parce que c'est eux-mêmes qui capable de décider. C'est eux-mêmes qui capable de dire exactement qui ça au café et si on décide by back, si on décide permettre que la vie reprenne dans son hôpital général, en dans l'hôpital là c'est capable. Mais lui-même, il pas compter sur pile bonne moun sa yo, sur pile bonne traite sa yo, sur pile bonne machine zam sa yo, sur pile bonne crasse pays sa yo, sur pile bonne déstabilisateur sa yo. Et qui c'est tout l'oligarque compuyant et qui c'est tout l'Occident. Et c'est même lui-même qu'on a venu réparer là pour continuer à le mettre au service de oligarques concurrents, au service de Gabriel là, mais au service de l'Occident. Je laisse même lui-même encore, selon ça qui dit beaucoup de Evelyne Frémont. Je dis à des Ivenes, ça me que nous comprenons, ça me que nous gardons je dis, hein. Ensemble de points, nous allons analyser, nous allons la rien, et je dis, hein, nous allons permettre que nous entendions. Après une fin de salle, tendez Lionel Lazare à travers un de son message qu'elle mettait dehors. Pas oublier, Lionel Lazare, son policier. Et selon ça que lui-même a comme information, il essaie d'expliquer sa crivée dans le communiqué à foule. Et José Lambsi, pas de policier crété dans aucun commissariat et à aucun post-police dans le Kafou. Selon ça qu'il dit là, le policier obligé d'abandonner pour ce. T'as dit Kafou, Kounia là, moment n'a parlé en là, il vient vraiment un territoire perdu en un pays. Et Kounia Kafou vient un territoire perdu. C'est la police qui t'a là pour protéger Jacques Servi, bien monde policier, oui, policier kidnappé, policier c'est là, n'est pas rentré dedans et au commissariat, ça veut dire je dis pays hein, capitale haïtienne non, et son qui environné yo, yo on m'a dit que li livré avec bandi. Et ça que nous t'ai dit dans l'émission dans mi-temps. Et ça, même dit, dans l'émission commencement journée, nous lançons un appel, moi à Désir Venesse, comme deux jeunes garçons, comme deux jeunes journalistes, comme deux jeunes directeurs d'opinion, et qui impartial, qui objectif, qui pas marré dans la pièce aucun, et qui pas gagné l'un nous, dans la poche aucun monde. Moi, mandé, nous mandé, quel que soit le monde qui a connaissance, qui a capacité, et qui légal, que le poté support permette que la question de sécurité résout dans un pays. Ou de mes gens, moi c'était Jacques, moi c'était André, moi c'était Pierre, moi besoin de mon relais. Au contraire, si vous avez de bonnes connaissances, question armerie et sécurité dans un pays, mais un poté bourrade nous. Tout ancien colonel, yo, tout ancien et soldat militaire Léopard, la médaille qui est encore vivant, en nous bas connaissance nous, en nous bas expertise nous. Et on permet tout, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, et nous-mêmes qui sommes dans le pays en tout, on a des moyens financiers et moyens et matériels pour permettre que ça gagne la comme sécurité pour les résoudre. On d'accord que vous mettez la police, hein. On d'accord que vous mettez l'armée, hein. On d'accord que vous mettez BESAP. N'a pas de formation additionnelle, n'a pas de moyens pour résoudre ça gagne la comme sécurité. Parce que nous toujours dit, insécurité, hein, c'est presque dans la capitale Haïti aller. Insécurité est presque dans porte presque lié et presque dans capital avec son qui environne lio il va pas dit pas gagner dans le professionnel tant que la tibonite ils sont gros monceaux mais vraiment bastion insécurité hein, c'est porte presque lié c'est porte presque lié c'est tellement que lié c'est Pétionville que lié c'est cité soleil que lié c'est Carrefour que lié dès vous arrivez neutraliser ensemble de zones ça yo ou mettre sûr et certain problème n'a résoudre. C'est vrai qu'on n'est pas facile. Même qu'on est tout, depuis que volonté manifeste, la pas résoudre. Mais comme beaucoup de gens qui ont volonté ça, volonté que nous c'est politiser la police, hein? Volonté que nous c'est rendre que la police hein, tourne un petit esclave, un choule, au lieu qu'il y a sécurisé peuple, il y a sécurisé business mout royaux, qui ont même metté ça en ghetto, hein? Parce que c'est au ghetto, et au ghetto. Et au ghetto, c'est douanière. Donc je dis, hein, moi c'est que. Quel que soit groupe côté en un pays, groupe légal, groupe organisé en un pays, on lance appel ça, on permet que nous pensions à résoudre la sécurité. Parce que c'est lui-même qui a toutes conséquences et pas sur tout l'autre secteur qui est en un pays. Désolé, on entre avec salutation après ça pour nous capables de avancer avec l'émission.
Très bien, l'invitation nous était chapeau pour nous saluer Marie-France Elmoulis qui toujours avec nous, nous dit merci en pile, qui estime que le travail là est important et qui estime que l'information nous est essentielle. Nous saluer Jean Rocher qui salue nous, qui dit nous bon travail. Merci en pile pour écouter, merci pour fidélité. Mimose Jean-Charles, merci en pile pour écouter, pour fidélité. Avec Blaise Info, Point Nouvelle, Vente Calbas, Info Racine Nouvelle Haïti et Maman Causea, mais ça nouvelle ou pas j'en pas nous. Nous saluer Jody Estilo qui toujours avec nous, Marie Nosifor qui pas j'en pas là, mon c'est mettre choqué ouais jour pas leur mettre quoi qui au bon problème qui fait au pas réagir mais au pas prêté pour au pas réagir. Nous Dieu merci en pile parce que yo toujours là avec nous. Nous Dieu merci Jean Robert la tour, merci en pile pour écoute, pour fidélité, pour commentaire, pour participation dans l'émission là. Marie Jasmin, merci en pile, go bonsoir pour vous, merci parce que toujours avec nous, ça fait un gros plaisir parce que toujours fait là avec nous. Nous saluer Linda Saint-Julien qui toujours avec nous, nous dit merci en pile parce que ou toujours là avec nous et ensemble nous yo yo adhérer et ou apprécier bataille et idéologie pardon Guy Philippe là dans niveau que Guy Philippe a parlé après il a passé tout le temps il a appelé vive Guy Philippe en bas ensemble et mission nous yo. William Sterling, merci en pile pour écouter, pour fidélité. Nous comptons parce que là, nous saluons. Nous devons continuer à être avec nous. Nous saluons Marie-Maude Laurent, qui est toujours avec nous. Tout le monde, ça c'est mon Guy Philippe qui est. Il y aurait les vives Guy Philippe en pile en bas émission. Nous saluons Lickner des Ulmé, qui est toujours avec nous. Tout. Nous disons le grand merci. Nous saluons Kenzo Lapix, merci en pile parce que toujours avec nous. Et nous comptons parce que toujours bien chez nous. Et j'adopte Odeven, merci en pile parce que ou toujours avec nous, ou toujours branché, nous disons, nous comptons pile les commentaires dans chaque émission que nous faisons, ouais, que vous participez avec nous. Nous saluons chez Meslin, Poléon, qui toujours avec nous, nous disons merci en pile parce que lui toujours là avec nous, tout côté, nous fait. Michel 5412, gros merci parce que vous faites voyage avec nous. Nous comptons pile, nous saluons Roselaine Metelich qui toujours avec nous, tout. Nous disons merci en pile parce que vous là, tout côté, nous y là avec nous. Marie Exantus, gros merci parce que toujours avec nous. Nous saluons Zedone Joseph, merci en pile parce que toujours avec nous. Franzi Charles, Papa Chometcho, merci en pile parce que toujours avec nous. Gadaville, nous comptons pile parce que toujours branché. Merci pour écoute, merci pour fidélité, merci pour petit temps que vous prenez. Même qui dans le travail ou même qui la caillou qui pas raté occasion ensemble émission ça on a parlé pour changement ou toujours avec nous dans Calvou vérité ou toujours avec nous. Nous disons merci en pile et puis pas suspendre inviter famille ou avec amis ou pour venir rejoindre grand famille ça pour laïté pour augmenter quantité monde qui entre dans la cour pour année 2024 dans 2025 nous devons rentrer dans plus passer 2 millions monde. C'est vous même qui méritez pour participer dans travail ça amis internautes cap garder cap attendre parce que estimer que travail non fiable li propre li correct information nous pas envoyer monter c'est bon information, c'est bon analyse qu'elle vient faire pour nous saluer. Et Matt, qui toujours branché nous, nous dit merci en pile. Nous saluer Pierre Charles, qui toujours branché Wesley Joseph, merci en pile. C'est Mungi Philippe Mounsawe, Immacule, la Flair, qui toujours avec nous, Blaise Personne. Nous dit Mounsawe, merci en pile. Blaise Personne, sans doute, ou bien des mounes qui déjà tombé en basé ou à passer pour un monde qui est basé ou après ça, pour nous faire suite avec émission. Pendant la fin de Mounio, restez dès commencement jusqu'à la fin dans l'émission, ça parce que pour quelqu'un en pile information et en pile ou analyse qui va le faire dans l'émission, c'est là. Pendant que nous avons les amis, nous like émission ça yo, partagez, quittez un commentaire et soit à peine tombé sous médias ça yo, abonnez avec yo. Parce que voilà, c'est information sans force côté niveau et monté, sous ensemble, mais sac nouvelle, blessé faux, pas une nouvelle, Calbas info et racine nouvelle Haïti, c'est bon débat, bon analyse et ou capable faire n'importe commentaire, ça, lui-même, ou qui trois ça. Pendant cet désir, m'a connu sous tes prends Marie Jasmin déjà, Marie Jasmin c'est Maître Cholier, pas capable là, Marie Jasmin et Marie. T'es maintenant de prendre Marie Jasmin, m'a prendre Marie Nozifo, m'a prendre Elino TV, ou pas au prendre, qui pas problème, m'a c'est Maître Cholier. Oui, Maître Cholier, Maître Cholier. Marie-Zéna Xavier, Marie Jasmin, Marie Nozifo, Immaculé et Étienne, Immaculé Lafleur, et Fondation Chris Capable, m'a pas Jean Bala, mais Pierre Lumanes, Kunsalier, Nobert, lui, que nous bâillons l'Ovelan, Gawain Zioulé, que nous bâillons l'Ovelan, et en même temps, tout que Pierre Charles, nous bâillons l'Ovelan, en même métier sous exactement, mais Jean-Élie Guerrier, Jean-Job Guerrier, Genono, Tati Lala, Gendi, Pil Mounki, Pap Jean, Pap Sub, Mimose, et que nous bâillons l'Ovelan, tout des Yvenes, Guerre d'Aville, 2740, que nous bâillons l'Ovelan, mettez sous de monde, donc Marie Maud Nelson, que nous bâillons l'Ovelan, Moïse Joseph, nous bâillons l'Ovelan, et Baba Manti Désir.
Je nous dis, hein, Jean Loyer, que nous baillons Lovelan, Diodi Estilo, que nous baillons Lovelan, et Joseph Janet, que nous baillons Lovelan, et c'est des gens qui va Kabbala, qui est Décidel Saint-Ilma, que nous baillons Lovelan, qui est Kesnel Charles, que nous baillons Lovelan, et Linda Saint-Julien, que nous baillons Lovelan, Saint-Joy Wassime, que nous baillons Lovelan, Descostes Jean-Marie, nous baillons Lovelan, des Ivenes, Marie-France, et bon, El Mouni, ça a fait pas nous balle de balle déjà. Dieu donné Joseph, nous belle blanc et deuxième baba nous menti et moun ki pa tande nou là. Nan commence nan salutation ça, n'a tande nan mitan émission et n'a tande reste nou yo nan fin émission comme salutation. Les Ivenes, nous prenons dans la rien tout à l'heure, van clair avec Sami yo. Avec Colonel de Antoine, mais j'en te dit hein, bon permet moun yo tande et Lionel Lazare. Lionel Lazare. Oui, parce que li important pour faire moun Lionel Lazare comme Sam capable comme et soit coordonnateur Sinapoa comme policier et en même temps tout qui sait exactement yon syndicaliste qui toujours réagit sous question ça qui a passé en un pays et surtout les nèg arméo prend en otage mais les nèg arméo yo décidé envahir sans capable relier commissariat yo ou bien tuer policier tout ça en même temps.